Bonjour à toutes et à tous. Sur cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un exercice en particulier qui est intéressant à glisser dans ces gammes athlétiques. Vous commencez déjà par les gammes athlétiques classiques et après vous pouvez terminer par cet exercice-là. Cet exercice-là s'appelle le HOP 2. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que vous pouvez améliorer comment dire, l'amplitude de la foulée en ayant comme intention de propulser le plus possible le genou vers l'avant, comme si vous mettiez un coup de genou, et retarder le plus possible la jambe d'appui pour qu'elle puisse pousser le plus longtemps au sol. L'avantage de cet exercice-là, c'est que vous allez augmenter l'amplitude. Bien sûr, comme l'amplitude ne sert à rien si vous ne gardez pas assez de fréquence. Ça sera après d'optimiser votre fréquence et votre amplitude. Mais c'est un exercice qui est intéressant pour les personnes qui ont du mal justement à améliorer leur amplitude de foulée. Donc là, je vais vous montrer au ralenti à quoi ça ressemble. D'abord, vitesse réelle peut-être. Et après, je vous mettrai au ralenti. Donc, hop, la vitesse normale. Je mets lecture. Voilà, je reviens, je vous le remets encore une autre fois. Ok. Cet exercice-là est intéressant dans la mesure où il peut être fait sans matériel, mais si il y a des difficultés des fois à comprendre l'exercice, moi je le fais en mettant des petites haies basses ou des petits plots. Et avec des intervalles complètement différents en fait selon le niveau des athlètes. Et ça peut être proposé comme ça comme outil en fait de travail pour pouvoir on va dire choisir l'intervalle qui correspondra le mieux à chaque individu. Maintenant, je vais te refaire passer la bande donc au ralenti juste pour que tu te rends compte un peu de l'action. Hop, alors avant la propulsion, on voit ici, encore un petit peu avant, là au moment où il quitte le sol, il va prolonger le plus possible son appui et le genou déjà s'engage vraiment vers l'avant pour mettre un coup de genou vers l'avant. Hop, hop, hop. Et là, je vais revenir un peu ici. Je vais glisser lentement. Hop. Alors regardez ce qui se passe. Il y a un phénomène aussi intéressant à regarder, c'est que le talon va venir sous la fesse. Il va pas projeter le genou pour le projeter, donc il va pas faire une reprise de volée. Il va véritablement avoir une trajectoire du talon sous la fesse. Il va cycler. Pourquoi je vous montre ça? Parce que l'erreur qu'on peut commettre la première fois qu'on fait ce type d'exercice, je vais vous montrer. Alors, maintenant, je vais vous montrer l'erreur qu'on peut commettre quand on fait ce type d'exercice. Je vais vous mettre à vitesse réelle d'abord pour vous rendre compte et après je vous mettrai au ralenti pour voir un peu les corrections qu'il faut apporter. Ok. Alors, regardez encore une autre fois. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais passer au ralenti et je vais vous montrer et analyser. Hop! Regardez, donc déjà, l'appui est devant le bassin. Voilà, c'est plus lié à l'appréhension de l'exercice. Hop! Alors là, vous avez vu, quand il balance la jambe, la trajectoire du talon sous la fesse, il ne la fait pas du tout. En fait, il est plus en mode, je mets une reprise de volée et la prolongation de l'appui vers l'arrière n'est pas aussi marquée que l'athlète précédent. Donc je vous le remets. Vous avez vu, hop, reprise de volée à chaque fois.
Une autre fois, hop, vous avez vu, c'est flagrant. Passe timidement sous le bassin avant de se lancer. Donc souvent, la première fois, les erreurs que vous risquez de rencontrer quand vous proposez cet exercice-là, ou bien quand tu le fais, c'est d'avoir la jambe qui fait une reprise de volée au lieu de mettre un coup de genou en gardant le talon sous la fesse et après ça cycle. Donc pensez à cycler la jambe. Et bien sûr, la jambe aussi derrière a du mal à prolonger en fait son effort sur l'appui. Donc après, ce que j'ai demandé, c'est le premier athlète donc, que vous avez vu sur la vidéo, je lui ai demandé justement de pousser un peu plus, d'être un peu aérien, un peu plus aérien. Et ça a permis d'avoir ce type de vidéo. Hop, à la vitesse réelle. Et vous avez vu, là c'est encore mieux. Hop, je mets pause et je vais vous mettre ça au ralenti pour vous rendre compte de l'appui, comme il est très important vers l'arrière. Le talon passe sous la fesse rapidement et se projette vite, et le genou se projette vite vers l'avant. Je vais ralentir la bande pour que vous puissiez la voir. Hop! Schlack! Vous avez vu? Il y a une propulsion importante de la jambe, à la jambe arrière, et le genou avant se fixe vraiment de manière très dynamique vers l'avant, en gardant une petite trajectoire donc du talon sous la fesse pour pouvoir cycler. Voilà. En gros, c'est un exercice que je vous invite à intégrer à la fin de vos gammes, par exemple, avant de faire quelques lignes droites. Et vous allez voir, grâce à cet exercice-là, vous allez optimiser un peu votre travail de foulée. Bien sûr, la foulée, c'est plus global que ça. C'est pas un seul exercice qui va améliorer votre foulée. Et il y a bien sûr plein d'autres paramètres autour de votre foulée qu'il faut améliorer pour pouvoir, on va dire, progresser à ce niveau-là, ne serait-ce la souplesse, ne serait-ce un peu aussi les qualités musculaires sur un travail de renforcement, parce que quand on exagère un peu plus sur la foulée, il y a des tensions qui sont mises dans certaines parties du corps, surtout au niveau du bassin, si on est sur des amplitudes qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc voilà, veillez quand même à faire le nécessaire renforcement pour progressivement améliorer votre foulée. Donc ce n'est pas qu'un seul exercice qui va faire la diff, c'est, on va dire, un cumul, tout un travail. Et donc là, c'est juste la proposition d'un exercice qui est intéressant à ce niveau-là. Voilà, je vous dis à très bientôt.